toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dead Island 2. On se retrouve toujours en live pour ramasser notre petit loot, hein, parce que c'est important de ramasser le loot quand même. Hop là, de quoi manger. Tac tac tac, encore de quoi manger, non on est full life. Les clés de la grande roue. On laisse le groupe électrogène activé, ouais on va laisser activer au cas où. More buttons to press. Ça y en a qu'un seul, tout va bien. Tu vas pouvoir te calmer un peu. Ok, on arrive de l'autre côté. Woo, that's it. Alors, escaladons la grande roue, ça paraît une super idée. Mais j'aime bien ce perso, il s'éclate quoi. Wow. No way. Yeah. Higher. Qui c'est qui l'a réactivé? Wait, what? The hell are you? Ain't no birthday party up in here. Ah, c'est les petites, c'est ceux avec les os qui ont poussé là. You lost, idiota. En plus, ils ont mis un clown, quoi. Sérieux. Fun never stops around here, man. Ok. There's plenty more where that came from, you party city reject. Sympa, sympa, encore un petit zombie fort sympathique. Un clown comme prévu. Ça c'est à fond. Faut que je me souvienne ça, si on tire dedans, ça a tendance à partir en fusée. Donc c'est pas idéal pour faire exploser. La trousse de soins, on est plein. Niveau munitions. Ça c'est plein, ça c'est plein, c'est charge 25 le chargeur. Ok, on est bien. Nos armes commencent à s'user un peu, hein. Ah bah, tenez, il suffisait d'en parler. Hop. Ça, on va virer. Ça, on va virer. On est plein. Et un truc ici. Avantage, adresse. Alors, avantage, adresse. Zut, il y avait un symbole de balle, mais j'ai pas l'impression... Ah, adresse. Tu es un zombie dans un bonus d'agilité. Ok, très bien, pourquoi pas. On peut mettre ça? Ah, on peut mettre ça. Putain, comme c'était grisé, je pensais que je pouvais pas, mais ok, très bien. Toi, je t'ai pas beaucoup amélioré encore. Infliger un coup critique a une chance de déclencher une explosion. Ouais, allez, go, mettons ça. Tiens, mon épée là. Mon épée, elle est améliorée ou pas, hein? Ouais, elle est améliorée. Oh. Ah les salauds quoi. Ah bordel. Là, il y avait un piège ici qui a tiré quand j'ai ouvert la porte quoi. Comment ils ont fait pour le mettre en place ce piège, hein? Y'a arnaque, y'a arnaque. Alors là, y'a de l'électricité, très bien. Ça
Ça c'est pas la grande roue. Okay. Pourquoi il me dit que c'est par là? Zut. Je progresse par ici. Je vais suivre. C'est mieux que c'était de là que je venais, mais. Attendez, que dit la carte? Ah oui, d'accord, ok, faut que je progresse par là. Très bien. Du coup. Ce serait plutôt par là. Ça s'est un petit peu cassé la figure, ça. Bon bah on court hein, jusqu'au bout de la jetée. Dans le noir. Danger. Deep water. J'ai ma lampe là? Putain oui j'ai ma lampe. J'ai vu un truc bouger devant. En miettes là. C'est pas du tout flippant. Je vais m'arrêter deux secondes pour couper le faux jour. Parce que le faux jour là, il... c'est pas le meilleur moment. J'aime bien le soleil, mais c'est pas le meilleur moment pour avoir un faux jour là. Hop là. Ah, c'est un peu mieux. Ok, bon au moins on est pour l'instant pas tombé dans l'eau. La jetée est quand même dans un sale état. Qu'est-ce qu'on va chercher déjà ici? Waouh, j'avoue. Ok, this thing looks like a laptop. Hopefully not melted. Comment il s'est retrouvé là le machin quoi, sérieusement. J'ai dû zapper quelques dialogues parce que... Laptop. Found ya. It's okay, man. You won't be needing this anymore. Let's see. Yeah, baby. We got this. Hey! Thought I told you, idiota! Oh, ça pique. Il a l'air un petit peu trop intelligent ce zombie. Gross. Almost. Hijo de puta cabrón! Keep away from me, you slimy motherfucker! No! That's it! You and me! Right now. Putain. Tu m'emmerdes. Putain, il est capable de me repousser en colère sanguinaire quoi. J'ai fait que ça comme dégâts, nickel, on va passer à un truc un peu plus offensif peut-être. J'ai vu de l'immunité là, donc on va prendre ça. Oui, ça critique, parfait. Eh, hey, venez pas m'emmerder hein. Ah oui j'avoue, il se soigne l'enfoiré. Ok, donc faut pas le lâcher. Je peux pas le bloquer quoi. Bordel. Putain il fait tellement mal. Essayez de le dissoudre un peu. Ah ok, il se soigne en bouffant les cadavres.
En fait, on dirait que selon les endroits où on tape, il est immunisé quoi. Told you you'd regret it, funny fucker. Alors, on a débloqué un nouvel emplacement. Parfait. Bon, on va prendre ça. Et on a débloqué savoir-faire. Tuer un zombie demande une dégâts modérée face aux attaques puissantes et ces dernières se chargent plus rapidement. Ok. Le disque du laptop éclaté, mais non, je suis sûr qu'il a survécu. C'est pas ça. C'est peut-être pas un disque, quoi. Doc, are you there? Hey, do you have it? Yeah, and I managed to not die getting it. Well, obviously, I need you and that tech back here ASAP. We got a world to save. All right, jeez. Finally, I was due some good luck. J'avoue. Oh, whoops. My bad. Oh. Hey, I don't remember this right. Oh. Sérieusement. Time to go. Kind of fun. J'adore Carla est toujours en train de se marrer. Oh, putain. Raté. Ah, on t'a vu, il était blindé le portable de Rizdian. C'était pas un petit PC portable à la con, c'était le truc blindé avec une poignée et tout. Good laptop. You stay with me. Quand même prendre cette quête secondaire, ça serait dommage de passer à côté. Wait a sec. So someone's stuck. Maybe they're still in the restaurant. Oh, cruelle ironie du sort dont la destinée entend m'affubler. Un ramassis de noyaux autour de fraises déguisés en petits soldats a jugé bon de me refuser l'évacuation prioritaire. Une coupure générale des réseaux m'empêche de m'adresser à mon imposant lectorat en ligne. Et des bêtes voraces, tout juste bonnes à engloutir plutôt qu'à savoir leur proie, rôdent à chaque recoin. Et c'est ainsi que moi, Anthony R. Oliver, suprême autorité gustative de la Californie occidentale, me retrouve seul échoué dans un cloque que j'ai maintenant à décrire en ligne comme le restaurant de fruits de mer le plus violemment surévalué de la Cité des Anges. Au cruel ironie, disais-je, que mon seul salut fut de me réfugier sur la jetée éthérée au fond du bien nommé Bucket, ce triste seau de poiscaille avarié. Mais il faut quand même reconnaître certains mérites à cette parodie vulgaire de spécialiste des produits de la mer. Les barricades tiennent bon, à l'homme affamé, même un fond de poubelle est douce en broisie, et la cave, bien que juste passable, m'offre le moyen de m'affranchir des limites de la technologie pour adresser un message hors de la ville. Et là, si les secours n'arrivent pas très vite, je crains que ces murs défraîchis ne deviennent mon mausolée. Mais si cette missive parvenait en terrain épargné, veuillez faire donner la cavalerie sur la jetée de Santa Monica afin de me sauver, et de sauver ma cité. Enfin, si ces mots se révèlent être mes derniers, puisse le monde se rappeler le ton d'Anthony R. Oliver, l'homme qui sut digérer ce que cette ville recelait de pire. Excellent. Bref, non, on va garder la quête principale, nous on a dit. On va par ici, je sais pas où, on va où là. Ok, on retourne là-bas. Dans le machin tout là-bas. Très bien. Ouais, il est waterproof et renforcé. C'est le portable de l'armée américaine, quoi. Enfin, du CDC américain, encore pire. Encore plus prévu pour résister à tout et n'importe quoi. Allez. Hop. Hop. C'était par ici la zone safe. Ah, il y a un foutu casseur quoi. Ah, il a un nom. Ça veut dire que il doit. Ah, je peux pas sortir d'arme. Je peux pas recharger non plus. Toi, t'as une clé pour moi.
fait des gros points aussi. Avec l'autre enfoiré là qui fait n'importe quoi. Dente, allez Dente, donne tes bras. Ok, un bras de moins, ça c'est fait. Eh, hey, on se calme. C'est mort. Hey, it dropped something. Une lettre absolument pas louche. Okay. Dente, tu as un colis important d'un type nommé R, et si quelqu'un demande rien à voir avec moi, c'est au sujet de notre caisse de retraite. Il rentre pas dans ton casier, donc je l'ai mis dans le mien. Prends ma clé, mais la perds pas. I'm curious. Ah, c'est le casier de Randy qu'on avait vu la dernière fois. Ok. Tu les as toutes faites, les quêtes d'objets, du coup, Canton aussi. Tiens, il y a une petite trousse de soins là. Faire un petit tour. Ah non, je peux pas, dommage. Ah, bordel. Ah mais, c'est pas possible. Quel est ce petit bug? Oh, oh, hey. Oh shit. You friendly? Sure. Long as you're not a zombie in disguise. Then I'm friendly too. Name's Ezekiel. People call me Zeke. Seeing as we're all stuck out here, anything you want to trade? Ouais, j'ai besoin. Oh. Un engin explosif rempli de grenailles. Oh bah oui. Ça en prend. Et du coup, il faut qu'on reprenne au moins deux fusibles. Ah, et visiblement peut-être même trois. Ok. Qu'est-ce qu'il a? Il a un fusil d'assaut, carabine à tir en rafale de spécialiste. Fusil de sport nuisible. Oui, tu peux faire un petit café si tu veux. Tu peux utiliser les dosettes. C'est plus facile. Merci Chobiti. On peut voir les détails. T'as quoi? Puissance d'impact. Augmente les dégâts. Augmente les coups critiques. Tête ou membre donne des coups critiques automatiques. C'est pas mal ça. Et toi t'as quoi? Tactique. Réussir un blocage ou une esquive déclenche des coups critiques. Et donne des bonus d'agilité et de vitesse de rechargement. Ouais. Et bah on va acheter ça pour une fois. Allez, ça coûte une blinde mais c'est pas grave. On va vendre ça du coup. La batte de ma batte métallique de savoir-faire. On va la vendre. Le râteau, on va le vendre aussi pour se refaire un petit peu de sous. Et tout le reste, c'est de l'équiper. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs où on est plein du coup? 35,99 là, on en a un peu trop. Hop. Aussi. Normalement qu'on peut plus en ramasser de ça. On se refait un petit budget pour pouvoir aller améliorer nos trucs. So, where'd you come from? You're way too late to be here for the evac. Came out here from the Sterling Hotel. Non, c'est vrai, il faut que j'équipe avant. Tac, ça, je sais pas pourquoi je l'ai ramassé, mais on va le reprendre. That overpriced joint on Ocean Ave. You must be crazy, then. Sympa. Alors, qu'est-ce qu'on peut te mettre, toi? Des balles électriques, bof. Des. Ouh, ça, c'est quoi? Des dégâts physiques et affaiblis. Ouais, c'est pas mal ça sur une arme. Bonus de précision, bonus de rechargement. On va augmenter la vitesse de rechargement, c'est toujours bien sur une arme à feu. Et on va réparer un peu. Ok. Et donc il y a une carte de voyage rapide ici. Parfait. Et du coup ils valent le coup les armes Canton. Ou c'est vraiment non, tu les débloques et puis tu les vires après quoi.
Alors, hop là. Rough night, huh? Thought I was gonna have to send out a search party. All right, Davis, your mama's worried sick. I'll come and... En fait, ils sont tous là, ouais, les... Les quêtes d'objets. Get okay. To myself. Lola, be reasonable. Hey, Doc, I got it. Hey. Weird lady. Hey, hey, let me see. Oh, at last. Tu pourrais frapper un peu quand tu rentres chez le docteur. Hein. Rest, no, I want to talk to your friend. Sit down. Reuben and I were just reminiscing. Oh yeah? Conrad and I did some research together. Reuben, it was a little more than that. I was his oracle, his Pythia. So, how have you been? You look different. You tried to kill me. Is that what I did? Conrad. Or did I do something else? Lola, you promised you wouldn't interfere. No, Reuben. We promised that we wouldn't interfere. Uh-huh. You've already galloped across that Rubicon. There is too much. Hey, Doc, where the fuck? Oh. Wait. Who the fuck? Hey. Not now, Jimmy. No, we fucking agreed. The whole group gets a say on newcomers. Don't hey. Worry, Mr. Montana. Jimmy Montana? Yeah, you probably see me on TV. Fabulous. Mr. Montana. Well, I was just about to leave anyway. But I must just drop in on Tisha before I go. You can't see her. Oh, Reuben. Yeah, well, no one gets to see her. What? She ain't here. What do you mean? Well, she went out looking for food with a little gang of hers. They're overdue. I always told you, Reuben. The tighter the leash, the harder they pull. Get out! I'll see you down the line. On trinque pour Drusdienne. Later, Jimmy. Why'd you let her go? Hey, she ain't my kid. Oh, if I was in Jimmy, charge... Listen. Yeah, fucking whatever! Things were getting freaky with me. Oh, please! We need... No, I need her back safe, all right? Now look, it's gonna take time to analyze your blood to get answers, all right? Now, Tisha doesn't have time, all right? Hey, it's okay. Okay. Merci, Chobiti. Thanks. Thanks. T'en étais riche. Le succès gros nez rouge. Alors, on a débloqué une nouvelle carte ici. Touché à la tête. Non. On lance pas de trucs. Bah oui, c'était un clown. Un zombie clown. T'es pas là, tu l'as pas vu. Ok, faut qu'on reparte. Parfait. Is, you know where Tisha went? Her crew were joking about hitting the bean cup for some decent coffee. You could try around there. Bean cup. Thanks. Tell him to bring some back. I'm getting the shakes. Some barefoot woman. Tout là-bas. Venise. Les égouts, Bel Air, ok. Visiblement, on peut pas atteindre cette zone. Mais il faut qu'on aille au Bink Up. Donc nous on est là. Il semblait qu'on était de ce côté là plutôt. Ah, ça va être quand on descend qu'on est de ce côté là. Ah oui, le défi pour tuer un zombie avec un objet lanché. C'est pas juste touché d'ailleurs. Il me semble que c'est touché. Allez, hop. Mais c'est vrai que je trouve pas que lancer les objets soit hyper pertinent en vrai. À part éventuellement les armes de lancer quoi, qui sont faites pour, mais... Hop là, comme tu m'as raté. Juste, c'était par là-bas le truc pour descendre. Aïe, il m'a mis un coup, l'enfoiré. Tiens d'ailleurs, on va équiper la bombe à clous.
équipé pour les autres. Ah, un exploseur avec un casque, sérieusement? Et ça c'est quoi? Ah non, ok, il était juste vaguement rouge, mais... Cet enfoiré va déclencher l'alarme. C'est trop long. Oh, sérieux, j'étais un peu trop proche. Bon, bah cassons-nous. Oh là là, quel enfer. J'ai zéro kit de soins, j'aurais dû en refaire un peu. Il y en a un qui me court après. Je vais pas me dropper un kit de soins, non? Tant pis. Super. C'est un vieux cul-de-sac ça. J'ai été trop loin, j'ai été trop loin. Demi-tour. Il doit y avoir un truc à gauche là. C'est vrai que je m'en sers jamais des shurikens. Je devrais, hein, ils peuvent être vachement utiles mais... En général en objet lancé, à part le truc... Ah mais sérieux? Un boucher quoi. Ah ils font tellement mal. Ah non, je peux pas affronter ça en n'ayant pas de kit de soins, c'est pas possible. Courir. Cours. Machine, t'es où? Là, tu fais moi le malin, là. Hein. Parfait, un explosif, génial. Putain, ils sont beaucoup trop énervés. On voit que ça pète là. On passe, voilà, ça s'ils nous suivent. On devrait les calmer un peu. Alors, prenons le temps. On a débloqué une nouvelle carte. En colère sanguinaire, tuer des zombies, rendre la colère sanguinaire pour que la rage dure. Ça peut aller pas mal avec notre truc ça. Donc là on a quoi? Ouais, on va prendre ça plutôt. Ça, approchez-vous. Ah mais lui c'est un spécial. Ça pique l'électricité hein. Par contre eux, ils veulent pas crever hein. Ok. Enlevons ça. Ça va nous permettre d'aller chercher le loot. Ah mais t'es pas mort toi. Mange. Clé de bagage du centre commercial. Parfait. Alors du coup, où est-ce qu'ils étaient machin là, au 2C? Comment on monte à l'appartement 2C? Merde, je suis gouré, je voulais inverser. J'ai lancé là. J'ai lancé. On peut grimper. Il semblerait que non. Mon café. Hop là. Une petite gorgée et on est reparti. Va attendre devant mon chemin, toi. Voilà, merci. On va essayer de prendre le point de quête. Hein. Oh là là. Un écraseur.
Quoi? C'était pas bloqué ça? T'es sérieux? Oh la déception. Je suis exceptionnellement déceptionnitude. Et oh, faut arrêter de... maintenant faut arrêter les conneries hein, par contre. Hein. Voilà, toi t'es mort. Hop, toi t'es mort. Voilà, ça c'est fait. Non mais c'est en sans blague. C'est cool la petite porte vitrée qui empêche les zombies d'entrer, hein. C'est bien sécurisé. Alors, est-ce qu'il y a encore des survivants dans leur groupe ou est-ce qu'ils sont tous morts comme des cons sauf la fille? Je sais pas c'est quoi ces flèches qui clignotent là, mais elle déconne pas. On se souvient qu'elle avait une arbalète la meuf. Hein. Alors, John est tellement bête que quand ils ont dit qu'il y avait des zombies, il a cru qu'il parlait de bison en verlan. Danny est tellement bête qu'il ne connaît pas le mot verlan pour verlan. John est tellement bête qu'il a raté l'évacuation. Danny est tellement bête qu'il embrasse son couteau pour lui souhaiter bonne nuit, maintenant il a les lèvres gercées. John est tellement bête qu'il pense que le lait chocolaté vient de vaches marron. Danny est tellement bête qu'il mange ses steaks avec du ketchup. John est tellement bête qu'il pense qu'un steak cru est un steak que tout le monde croit. Une phrase en majuscule interrompt de colère les gribouillis. Arrête de parler de ces foutues vaches et fais quelque chose d'utile. Mmh. Genre ils ont un storeboard quoi. Bah vous avez l'air d'être bien ici. Tu parlais à qui par contre? Ah là-bas, il y a des gens. Ruben's gotta be involved if it's the CDC. He's the shadiest fucker of all. Oh. Hey. This place is awesome. Making me wish I went to college. I guess it's a not-so-secret hideout now. Just don't tell the others we're here. Hey, and don't eat all the snacks. Ils font des plans dans le dos du paternel. Parce qu'ils se doutent que le paternel, il fait de la merde. Hey! Allez. It's the runaway. Your dad's freaking the fuck out. Must be, to send his VIP. That's what I am, huh? Look, Tisha, your dad, is he legit? Why'd you say that? Because it feels like there's stuff he's not telling me. Yeah, join the club. There's this insane lady. She basically tried to kill me. And ever since then, I've been feeling... I don't know, different. The crazy thing is, your dad knows this woman, and she was just there in his office. Name's Conrad? Auntie Lola? Mm-hmm. Why would she be here? She's just wandering around this nightmare like it's nothing. That's pretty crazy, even for her. I need to ask her some serious questions. But first, we gotta get you back. Not happening. Chica, don't make me drag you. Okay. God, hold up. Look, we both want to know what's going on with Dad, right? If I give you a direct line to Lola, can you give me more time to investigate? I'm listening. Look, there's a data blackout, right? No internet, no nothing. But our resident hacker, Ava, has found data packets routing between the Serling, CDC HQ, and the Randgate building. It might clue us up on what Dad's mixed up in. Maybe. What's this hotline to Conrad? I got a code phrase. Look, you go to an OSK store and say 12 Sambuca Karaoke Queens to the OS. Okay. OSK store? Fuck! She's that, Conrad? Yeah, and if she's involved, it's something wild. Alright, you're on. But we're partners, okay? Anything we find, we share. Yeah, I was gonna say the same thing.
Cool. Welcome to the Mushroom Club. Le Mushroom Club. Tout un programme. Bon, bah. Tu peux me filer ton arbalète, non? Bon. Ça, on va la récupérer. Hop. Réparons un peu. Qu'on est là. Est-ce qu'on a besoin de kit de soins? Ouais. Des munitions. Un peu là. Ok. Contactez Conrad à la boutique OSK. Alors, la boutique OSK, elle est juste ici. Là, il y a des fusibles. Ok, très bien. Là, il y a des écraseurs, on les a vus. Ils sont bien dans leur petite planque là, hein, franchement. Lola Conrad, founder of Conrad Realities. Half the world uses her OSK tech. But I don't know shit about her. No one does. The fuck does she want with me? OSK store. Constant OS. This shit's for people with money. 12 Sambuca karaoke queens. Okay, where's the scope? Ah, c'est ça alors, tous les Spock qui traînent partout et qui sont en déconnecté. Je pensais que c'était parce que j'étais en solo que c'était déconnecté. Servers need rebooting. Mm-hmm. Who would they be? Ah, servers are in here. Just need normal. A staff pass. Un Apple Store, ouais, c'est un peu ça. Et la salle serveur juste à côté de la porte qui donne sur la ruelle. C'est tellement le bon plan. Ça, je crois que je peux faire un trou dedans et après il explose. Hein. Non, un peu trop tard. Je pensais qu'il allait falloir que... Putain, tu m'envoies ces machins. Allez, vite, les jambes. Toi aussi, les jambes. Voilà. Les jambes. Ok. Tac, une fourche, très bien. Hop. Coucou toi. Bon. Ah. Saloperie. Vas-y, prends feu. Ah putain, il explose maintenant quoi. Sérieusement. Ah! Ils sont partout! Bon. Trouvons le pass. Certainement là. Oui. Oh non, Henry. Maybe he had a... Henry vient de sortir les poubelles, il y a eu un hurlement, un cri, il n'est pas revenu. Je me fie de ce que dira l'entreprise, je ne laisserai pas cette boutique ouverte une minute de plus. Votre service ne jouait pas au con et foutait le con ici. Ah, tu penses que c'est le genre d'Apple de demander à ses employés de rester en cas d'apocalypse zombie? C'est tellement pas improbable en plus. Vas-y, sors les poubelles. Mais il y a plein de zombies dans la rue. Rien à foutre, sors les poubelles, on garde la boutique ouverte. Gross. On va éviter d'ouvrir ça, ça fera toujours moins de trucs possibles. Nope. No sign of it. Salut Henry. Hey Henry, there you are.
Where are we? Got the pass. It's server time. Bon, ça va se fermer les deux côtés en fait. On est plutôt bien. Yeah, this looks like a load of servers. Constantin 4669. There we go. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Carnage, ok, une carte qui est ici. En colère sanguinaire, donne un bonus majeur de dégâts et de force, mais les attaques dépensent plus de colère sanguinaire. Oh non. Taïra. Script du service client. Faites que nos clients se sentent comme chez eux avec ces simples phrases. La vie n'a pas à devenir un défi. Laissez le constant operating system se glisser dans votre vie. Laissez-le gérer des tâches lourdes pour vous permettre de vous concentrer sur ce qui est important. Constante maître dans mon quotidien, c'est l'assistant personnel d'une vie. Ce qui est de mieux avec Constante, c'est qu'il gère tous les aspects de votre vie de manière totalement invisible. Scope prend une part de ma vie dont je n'avais pas conscience. Je n'ai plus besoin de penser à tout. Ah là là, incroyable. Alright. This passphrase better not be a prank. Morticia's gonna meet seriously pissed Carla. Ugh, OSK fanboys. Shut up about interconnectivity. Il y a une force, il y a une foutue hurleuse ici là. Elle est où? Rigole moins sans tes jambes. Hein. Elle est capable de crier encore. Ok, très bien. Voilà. Un petit coup de hache pour en finir. Nothing to it. Let's do this thing. J'ai toujours rêvé de faire ça dans un Apple Store, je suis sûr, Drusden. on va recharger pour être prêt. C'était rechargé, c'est lui qui est pas rechargé. Here it goes. 12 Sambuca Karaoke Queens. Eschaton. Noun. Theological. The end of the world. The end times. The final event in the divine plan. From the Greek root, meaning last. What the fuck? Conrad, Lola Conrad. I want to talk to her. Hey, I'm back to read. But you can call me Reuben. Noah, they told me there's something in my blood that... Yeah, shh. Let's keep your specialness just between us for now, okay? Mm-hmm. Okay, sure. But it's about a cure? If our preliminary results are right, then you have a miracle in your blood. Now that we've found you, humanity stands a chance. Cool. So, what happens to me? You just take some blood, or...? We need to get you to our lab on Ocean Avenue. We have the equipment there, and answers to all your questions, I promise. Okay, you're the doctor. Someone else is immune? Why wouldn't Reed tell me this? Zephron, it didn't work. The level spiked again. Fried the whole rig. Nah, not ideal. And our friend Noah? We need a new candidate. We haven't found anyone else. There has to be someone! You know what's at stake! Keep looking! Hijo de puta! What the fuck? I need to find this lab! A text? There's no signal. Ah oui, moi je me disais, c'est mon téléphone qui a vibré, mais non, c'était en jeu. Salut Terfex, tu as la fin du jeu. Alors, la fin du jeu, non. Je m'approche, je pense, de la fin des quêtes principales, par contre. Mais il y a encore beaucoup de quêtes secondaires et d'autres trucs à faire. Mais j'essaie de terminer, effectivement, les quêtes principales, pour terminer l'histoire un petit peu. Du coup, faut que je retrouve par contre l'objet là, journalier.
Alors, il y a un panneau, entrée de service numéro 7 du Round Gate. Le Round Gate. Ellen Yu. Il n'y a pas l'air d'avoir le Round Gate ici. Il y a un établi là, ça pourrait être dans le coin. Faut déjà aller chercher ça. Est-ce qu'on peut sortir et sauter là? No sign of Conrad, but I got a lead on a lab your dad was using. I'll keep you updated. Got it. Me and Ava are in the Rangate Security Center. There's definitely data moving in and out. Go Team Mushroom. Yeah. Our answer's got to be in that lab. I'll call you. Ah merde. Un gros qui vomit. On va le contourner. Ok, toi t'es coupé en deux, toi t'as plus de jambes. C'est bon, c'est calmé. Alors, on va pouvoir aller fouiller. Où est ce... t'es pas mort toi, tiens. 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 Bim, mais de rien, Interfex, c'est bienvenu sur la chaîne. Si tu veux regarder, n'hésite pas à t'asseoir. Si tu veux pas être spoilé, bon, effectivement... c'est un petit peu la fin, donc je comprendrai que tu t'absentes. Alors, où est-ce qu'il est le truc à fusible? Pas là. On peut rentrer par ici, très bien. Ouh, sympathique. Sympathique, sympathique. Je vois que tu as trouvé Ivy. Ok, c'est derrière ça. Parfait. Salut toi. Au revoir. Faut te décapiter ou comment ça se passe? Non. Tu préfères cramer à mort, si on peut dire ça. Je joue à quel autre jeu? Quel autre... Alors... sur la chaîne en VOD, tu peux faire point d'exclamation YouTube si tu veux, ou point d'exclamation VOD pour avoir les liens. On joue surtout à de la stratégie et du tactical. En live en général, je fais alors là du Dead Island. Sinon, plutôt de la stratégie. Dernièrement, on a fait beaucoup de The Last Spell et Against the Storm. Après, malheureusement, je ne peux live que le week-end. Pour des raisons de planning IRL, on va dire. On va essayer de cibler ça. C'est cool de savoir qu'ils sont à la tour Rangate, mais bon, encore faudrait-il savoir où elle est. Alors, là il y a un panneau, mais ça ressemble pas. Mais globalement, sur la chaîne, on fait surtout de la stratégie. Et de la stratégie tactique, c'est principalement notre cœur de métier, on va dire. Recule-toi. Toi aussi. Ils sont relous avec leur casque. Voilà. C'est bon. Les jambes. Bise aux jambes. Merde, lui il va péter. Putain. Tirons-nous. Une petite trousse de soins, parfait. Bon, il a rien fait péter d'autre, mais il va certainement attirer du monde. Et on sait toujours pas où est ce foutu truc. Là c'est fermé, là c'est fermé. C'est toute cette zone là qu'il faut qu'on fouille. Hein. Ça pourrait être là, donc on a vu que c'était pas ici, on va virer le point. Parce que visiblement c'était en souterrain. La quête, hop, regardons l'image. Ça, ça a l'air d'être un truc de parking, mais c'est bizarre. Oups, raté, lamentablement raté.
très grave. Je trouve que ça ressemble quand même à cette zone là, là. Avec les... Alors pas là, mais là avec les pannes, les petites barrières là. Ça ressemblait quand même à ça. Et alors si jamais tu n'as pas le jeu et que tu souhaites l'acquérir, tu peux utiliser le lien partenaire de la chaîne en faisant point d'exclamation game. Ça te le donnera. Là je vais où là? Ici. Ok, on revient là. On peut essayer de regarder ce bâtiment. Alors là c'est ma faiblesse, hein. Je suis absolument pas physionomiste, alors ce genre de truc, trouver quelque chose à partir d'une image, c'est pas simple. Il y a des petites barrières mais c'est trop bas. Bon là on est en façade là, c'est pas du tout la porte de service. Là, on peut pas rentrer. Hop là. Ouais, c'est vrai, Terfex, t'as pas tort. Ça ressemble à un peu à un bord de map, mais je me disais que peut-être ce gros bâtiment qui est le truc de news, où j'ai jamais été encore, avait peut-être un bon potentiel, mais ça semble pas trop pertinent. Ah. Ok. Bon, regarde. Donc il y a une quête secondaire, donc il y a bien un truc ici, mais c'est pas ce qu'on veut. Ouais, bah je me doute que tu sais, ouais, Ganton. Mais pour l'instant, on va dire que je vais essayer de trouver un petit jardinet. Bon, les panneaux, il y en a partout. Voilà, c'est ça qui me faisait penser éventuellement à la tour de Ella News, là. Mais ça va être quand même hyper en longueur, hein. Là on a été voir, ici c'était non, ça c'était la rue principale. Peut-être cette petite ruelle là, devant le scope. Là c'était le... Oui non, ça c'est la ruelle avec le... Les poubelles. On peut essayer d'aller à gauche et de remonter pour voir. Alors, on va aller au fond quand même pour être sûr, mais normalement c'est là où j'ai été... Ah, oh si, ça paraît prometteur ça. Encore que, on est dans le mauvais sens. I guess this is the place. Si, c'est ça. Yo, Tisha, I'm at the Rand Gate too. Any chance you can get loading bay 7 open? Sure. Ah oui, le petit truc. So the lab's in the building. Le petit virage. I'm gonna find out. See you in there. Ah putain, il y a une. CDC guys. Enfoiré. Manger. Putain, ça leur a tellement rien fait. Saloperie. Machine, elle est où? Elle est là, machine. Tu déconnes ou quoi? Il me charge maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé ici? Un katana. Très bien. Petite trousse de soins, un petit peu de loot. Ok. Les hurleurs ils font pas trop de dégâts, en tout cas tant qu'ils décident pas de te charger. Par contre, pour t'empêcher d'avancer et de te paralyser, ils sont quand même forts. Hein. Foudre. Foudre, j'aime ce nom, qu'est-ce que ça fait? Compétence d'autophage, frappe vive, inflige électrisée aux zombies. Non, j'ai pas frappe vive. Donc ça ne m'intéresse pas. Une petite trousse de soins, on est revenu à 5.
clé de sécurité du Run Gate. Ok, très bien. Passer de l'eau. Un petit peu de loot. Là, on a quoi? Un ascenseur qui ne fonctionne pas, j'imagine. Il n'y a même pas de bouton d'appel. Fantastique. Triple lock. They're not fucking around. Trouver la carte magnétique, ça c'est des trucs destructibles. Ah oui, c'est vrai, c'est des serrures qu'on peut péter là. Il n'y a pas d'alarme a priori. C'est que des verrouillages, ok, donc c'est parti, pétons les trucs. Hop, et de 1. Le verre qui va là. Oula, excusez-moi, j'ai pas eu le temps de me mute, j'ai éternué un coup, désolé. Et le bleu, il est là. Hop là. No more secrets, doctor. Ouais, moi je pense qu'on aurait dû aller voir le docteur plutôt, mais bon. Oh là 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 là. Je sens que ça va déchaîner les enfers. On en est où de nos chargeurs? Ça c'est vide. Ça c'est presque vide. Et ça c'est plein. Ok, reprenons notre petite hache. What kind of freaky shit were they doing here? C'est de pire en pire. Je sais pas c'était quoi le pire entre dissoudre des gens vivants ou sacrifier des gens immunisés pour je ne sais quoi. Putain, le pauvre Noah, quoi. Oui, je vous fais confiance, docteur. Bon, il y a pas mal de trucs à faire exploser ou électrifier si besoin. This is the same thing that tested my blood at CDC HQ. Arm Eater. Et il y a des trucs vivants dedans. Visiblement. Même les machines mutent, on n'est pas dans la merde. Another blood drive. Just like on the pier. Ah, on peut parler au scope maintenant. This blood drive is catabasis. K A T A B A S I S. Enjoy. Oh fuck. That's the Noah guy. Was I next in line? My turn to be the crazy scientist. Okay. Well, this is going nowhere fast. The only person who can give me answers is the doc, whether he... Whoa! Hi, Noah. You're looking pretty good for a dead guy. Well, okay, not good, good. Anyway, I was just heading off, so... Dude, Noah! I take it back! You look insane! What the fuck? Wouah, l'enfoiré, il fait mal. Alors, est-ce qu'on peut essayer d'attirer genre là-dessus? Ça a explosé peut-être un petit peu tôt. Ok, ça lui fait pas grand chose. Changeons de stratégie. L'électrique. Ah, il me jette des trucs dessus, l'enfoiré. Bon, on va se débarrasser de ce con là. Ok. Waouh, le truc il tourne sur lui-même et il t'arrache la tronche. Hein. Tu fais moins de critiques avec ça. On va prendre ça de nouveau pour voir. Ah! Il fait comme les écraseurs, très bien. Ça fait déjà 3
trousse de soins que je crame. Pourquoi j'ai cette merde d'équiper là? Ça lui fait rien du tout ça. Par contre, lui, il pique les fesses. Hein. Ah, je lui ai planté mon truc dedans. Bon, les flammes, visiblement, ça a pas l'air de lui faire plaisir. Enfin, il a quand même encore beaucoup de vie. Est-ce qu'on peut réussir à électrocuter? Pas convaincu. Est-ce qu'on peut le dissoudre? Putain, il pique les fesses hein, à nous cracher dessus à distance là. Les petits shurikens, c'est peut-être le moment de les sortir. Les shurikens électriques, ça avait pas l'air de lui faire grand chose, mais dans le doute. Ça, ça fait quelque chose ou pas? Pas grand chose. Alors, notre dernière trousse de soins, y'a pas des petites trousses de soins qui traînent? Waouh! Putain, enfoiré. Il est efficace à distance, hein. Ok, je sais pas pourquoi ça s'est déclenché, mais ça s'est apparemment automatiquement déclenché. Padre nuestro que estás en el cielo. Alors si on se transforme en comme lui, ça va être gênant. On est en train d'attaquer Tisha quoi. Tisha. Non, elle nous a écrasé la tête. I'm here. Check the blood drive. Goodness, Tisha. All that Krav Maga paid off. Come on. I know you're in there. Hello again. Please, you have to help me. I'm scared. Kind of freaky, huh? You hit rock bottom. You bounced hard. You're gonna feel that one for a while. Living for the drama, I see. Lola. We got others to cover. I know. I know. But rebirth is never easy. We all needed help through this one. We are rare. Precious. Just tell me, what the fuck am I? We are. Well. Reuben calls us Newman. We are the end point. Ils sont télépathes, quoi. Distilled. I'm sorry. I had to push you hard. There is some cataclysm level shit coming down the line. It won't wait. And it's not kind. Only Newman, like us, can carry humanity through it. The plague? Reuben's gonna stop it. Make a vaccine. There is no plague. Reuben. He was a good man once. But now he is blinded by desperation. He's not making a cure. Sure he is. He's not making a cure because he can't. No one can. Humans. The autophage. Newman. It's an immense life cycle. A survival mechanism spanning countless eons. And you, we, are the Omega Point. The fuck does that? I'm just me. You're fucked up, lady. Well, you are in deep denial. And you've had my two cents, so go and ask Reuben his. But whatever conclusion you come to, mon loot. Remember.
Mon loot! Scandale! On m'a piqué mon loot! Vous avez débloqué les compétences de Numen et vous pouvez maintenant embrasser votre plein potentiel en tant que tueur de zombies. Alors, compétence d'autophage, je n'ai pas dit mon dernier mot. Quand vous allez mourir, déclenche à la place une forte explosion qui dépense de la colère sanguinaire. Attaquez les zombies pour regagner de la santé. Ah, c'est ça qui a fait que j'allais casser. Très bien. Et du coup, on est au niveau max d'autophage. De toute façon, Drusiane, je vais arrêter la VOD là, donc ça va être le bon moment, je pense. Désolé si ça recommence à partir en sucette, le son. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, n'hésitez pas. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.